Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin pour un petit test et découverte, et celui-ci portera sur Deadly Days, petit jeu qui est développé par Pixel Split et qui est édité par Assembly Entertainment et Whisper Game, que je remercie de m'avoir fourni une petite clé pour vous le présenter. Celui-ci est sorti le 19 septembre 2019, c'est un jeu qui se joue en solo. La compatibilité manette est complète, il est en français et dans d'autres langues, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais elles sont présentes. Et vous pouvez le retrouver au prix de 11,99€ sur Steam. Je vais vous faire maintenant le petit résumé de ce jeu. Et ensuite nous nous lancerons à l'aventure. Deadly's Day est un roguelite stratégique unique dans un monde apocalyptique rempli de zombies. Gérer et protéger un groupe de survivants et aidez-les à arrêter la catastrophe, découvrez et utilisez un grand nombre d'objets sauvages et fous. Les survivants encore plus sauvages et plus fous, des capacités spéciales et des armes mortelles. Eh bien écoutez, on va aller se découvrir tout cela dès maintenant. Alors pour le moment, je suis pas passé à la manette. Je vais d'abord y jouer au clavier et à la souris, histoire de voir, et je verrai plus tard pour tester à la manette. Donc c'est parti, on va se lancer dès maintenant. Ok messieurs dames, nous voici sur l'écran d'accueil, donc j'ai fait quelques petits paramétrages, j'ai baissé un peu le son. Les options c'est ici si jamais vous cherchez, je pense que là ça doit être les stats, voilà. Donc là, on a un petit peu le record mondial de tout le monde. On peut aussi faire celui des amis. Alors je pense pas avoir de contact ou d'amis qui ont le jeu. Donc là il y a les défis, le classement et classement des séries de victoires. Ah oui, on a 53, ok, d'accord. Ouais, le score, on va s'éclater, donc annulé. L'encyclopédie, ça va être pour les armes, les monstres et à mon avis, bah, toutes les compétences ou autres capacités qu'on va pouvoir débloquer. Ça, je sais pas si c'est... Oui, voilà, ça doit être les survivants. Alors, je sais pas si c'est tous les survivants, y compris ceux qui sont encore plus méchants et plus fous. Là, on a les méchants, petits zombies et infectés qui sont présents. Et là, c'est les succès. Ah, il y a une autre page. Ah, vous rigolez. Là, il n'y a pas d'autres pages, heureusement. Et là, il y a pas mal d'autres pages. Ouais, bon, écoutez, on découvrira tout ça au fur et à mesure. On va déjà faire nouvelle partie. Ah, j'irai sûrement baisser encore un peu le son, là, parce que ça m'a l'air un peu fort. Mais on va se regarder au moins la cinématique avant de se lancer dans le vif du sujet. Leurs histoires de vaches, ça me fait penser à Breath Edge. Empêche une vache entière pour faire un sandwich, c'est un peu chaud, quoi. Ah, ils en foutent partout sur le chemin. Il y a un côté sous Spark pour le déplacement des persos devant comme ça. Donc comme vous l'aurez constaté, hein, il y a un côté pixelisé. En plus, quand on voit le nom du studio de développement, je pense qu'ils aiment les jeux avec ce côté un peu rétro. Ah, d'accord, ok. Bienvenue dans le didacticiel, je suis votre professeur de zombies. Ok, kiki. Deadly Day est un roguelite de survie stratégique en milieu zombie. Je vais vous apprendre tout ce dont vous aurez besoin. Votre objectif ultime sera de trouver l'usine du burger et d'empêcher la création de nouveaux zombies en désactivant l'usine. Ok. Ici, vous voyez le jour qu'il est. Je deviens de plus en plus difficile à mesure que l'apocalypse progresse. Au niveau de danger,
vous indique la puissance des zombies. Ils augmentent tous les quelques jours. Ok. Chaque survivant a besoin de nourriture à la fin de la journée où il mourra de faim. Vous commencez avec 2 survivants, mais d'autres peuvent vous rejoindre au fil de la partie. On voit aussi leur vie au-dessus de la tête, je suppose. Chaque survivant possède sa propre compétence. Cette compétence s'améliore à mesure que le personnage gagne des niveaux. Pour le moment, nous devons trouver d'autres armes et de la nourriture. Commençons une mission. Ok. Alors avant, je vais aller ici. Et je vais baisser un petit ch'touille le son. Ah, merci bien, continuer. Donc début. Ah, donc fouiller. Ah, la taille, celle-là 3, piller, ok, ok, danger 1. Ah, j'ai peut-être fouillé celle-là en premier. Donc on prend notre petit bus, j'espère qu'on pourra renforcer, barricader devant. Ok. Utilisez la souris et ZQSD pour vous déplacer, pour déplacer la caméra. Alors j'espère que je vais pouvoir rebinder mes touches ou que ça l'a détecté directement parce que je l'ai pas fait. Utilisez un pour envoyer vos survivants dans une zone. Ok. Utilisez la souris sur des objets qui clignotent pour qu'un survivant le pille. Alors déjà, ouais, le déplacement de caméra, ça le fait pas. Ok, bon, écoutez, je peux pas rebinder mes touches, ce qui est fort dommage. Donc, j'ai passé mon clavier en QWERTY, tout simplement. Il y a la petite voiture qui clignote, là. Je crois que le bout de pizza, je peux peut-être le prendre. Donc, voici vos objectifs pour aujourd'hui. Pensez à tous les accomplir. Ok, donc là, piller une maison marquée. Et c'est quoi en bas ? Se déplacer vers la zone indiquée. Sauver un survivant, piller un pommier, détruisez 5 arbres avec une frappe aérienne. Et puis le reste, pour le moment, je peux pas le voir. Ramassez-moi le bout de pizza. Non, on peut pas. Attends, il me demande de venir ici. Ah non, c'est des cônes. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Piller une caisse larguée du ciel, sauver un survivant, piller un pommier, détruire des arbres. Bah, écoutez, on va avancer par là. Je sais pas si j'aurais pu monter... Non, je peux pas monter en haut, je peux pas leur faire escalader une petite échelle. Donc là, piller le colis, parfait, comme ça c'est fait. Ouais, pour les déplacer, il va falloir s'accrocher, hein, piller. Y a pas... Ouais, non, ok, on peut piller que certaines voitures. Et a priori, il faut qu'on ait tout notre petit groupe qui se promène... À utiliser un pour lancer une frappe aérienne à l'emplacement indiqué sur un arbre. Ok, c'est fait. Et là, il y a une banane. Je sais pas si on va pouvoir aller le libérer après. Je sais pas si j'ai à détruire 5 arbres. Donc, on va gentiment se décaler par là, les jeunes. Ok, faut attendre. Voilà, je sais pas si j'ai... A priori, oui. Et maintenant, faites démarrer le bus. Déplacez tous les survivants dans le bus pour finir la journée. Ok, donc a priori, j'ai fait toute ma petite mission. Je peux les cliquer d'hyper loin, mais c'est quand même mieux de les voir parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Et effectivement, a priori, j'ai déployé toutes mes forces pour remplir tous mes objectifs. Et j'ai aussi du soin, a priori. On va tous reprendre le bus scolaire. Mais attendez, les jeunes, ayez l'intelligence du monter côté passager, quoi. Ok. Donc, il fallait cliquer dessus pour qu'il démarre. Ok les jeunes, il y a déjà du zombie. Alors ce qui est chaud c'est qu'on peut, dès qu'il y en a un qui est en mission, on peut utiliser les autres. Mais sinon ils sont tous regroupés les uns aux autres. Alors il va falloir gérer leur déplacement pour pas qu'ils se fassent bouffer. Parce sinon ça va être compliqué. Heureusement que vous avez trouvé de quoi nourrir tous vos survivants. Pensez à faire des provisions, pas de problème. Utilisez
Clique droit pour dépenser un de nourriture et accorder instantanément un niveau aux survivants sélectionnés. Ok. On dirait que vous avez aussi trouvé de la ferraille. Vous pouvez l'utiliser pour tout un tas de choses, comme améliorer ou réparer des objets. Ok. Ok, je vous ai donné un peu. Je vous en ai donné un peu plus pour que vous n'en manquiez pas pour le moment. Merci, c'est gentil. Ici, vous pouvez vous équiper de nouveaux pouvoirs spéciaux. Vous pouvez utiliser les pouvoirs spéciaux équipés une fois par jour. Ok. Je crois que nous en avons trouvé un. Essayez de vous en équiper. Un nouvel objet. Ah, ok, donc il faut que je chique directement là. Gaz congélateur. Largue une bombe qui congèle tous les zombies. Les zombies restent gelés plus longtemps. Ok. Après, on peut les améliorer également. Vous pourrez débloquer d'autres emplacements par la suite avec de la ferraille. Pas de problème. Ici, vous pouvez équiper de nouveaux objets. Ils procurent de nombreux effets passifs pendant votre partie. Je crois que nous en avons trouvé un. Essayez de l'équiper. Ok. Et c'est quoi? Cible de tir. Heureusement, elle ne bouge pas. Les survivants affichent plus 25% de dégâts à distance. Améliorer. Les survivants infligent plus 50% de dégâts. Ok. Vous pouvez améliorer les pouvoirs et les objets avec de la ferraille. Nous avons trouvé aussi de nouvelles armes. Essayez de vous en équiper. Ok. Je clique là-dessus. Ah, je peux lui. Ah, c'est cassé. Bah, réparer. Et puis, bah, je vais lui donner, hein. Peut-être là, lui déjà. Je vais la réparer. Voilà, je vais lui filer. L'autre, il a une petite arme à feu. Au moins, ils ont tous une arme à feu. Attendez, les jeunes. Je veux faire ça là. Ah, merci bien, continuez. Ok, donc nouvelle mission. Piller 1, piller 2, danger 2. Ah, le burger. Je vais faire celui-là, hein. Donc a priori je pourrais peut-être pas aller taper ceux que j'ai autour de moi. Mais peut-être qu'on pourra installer peut-être des défenses dans notre quartier. Et après bon, on pourra taper ceux qu'il y a autour, je ne sais point. Maintenez contrôle pour ordonner à des survivants de tirer sur la position indiquée. Détruisez la barricade, les barrages routiers. Ouais, j'ai pas forcément je crois eu besoin de le faire mais bon. L'un de vos survivants est blessé, utilisez deux pour soigner un survivant à l'endroit indiqué. Vous êtes sérieux ou quoi? Je vais pas m'amuser à le soigner maintenant. Vas-y, venez là, là. Ah ouais, ça tire direct en fait. Hein. Si je fais ça, c'est direct. Hein. Ok, il y a du zombie qui se pointe par là. Maintenant, pour que les survivants avancent vers la position indiquée, utilisez cette commande pour avoir un contrôle plus précis de vos survivants. Ouais, ok. Ah, venez là. Par contre, là, je vais utiliser deux. Ah, comme ça, ils sont tous fait soigner. Par ici. Ah, ils ont l'air de tirer automatiquement quand ils sont proches. Ah, vous êtes sérieux ou quoi? Ah, je sais pas si je peux aller plus haut, les jeunes. Ah, on va se déplacer comme ça. Utilisez 3 pour activer le pouvoir spécial. Ah, on va aller là. Je vais faire 2. Deux les jeunes. Je peux pas choper les caisses de carottes là, vous êtes sérieux? Ah, je vais me déplacer avec la souris. Attends, je sais pas pourquoi je peux pas les soigner. Ah voilà, parce qu'il faut que je clique sur eux, ok. Ok, alors peut-être que je peux soigner ma banane aussi, parce que s'il faut que je clique individuellement, vaut mieux qu'ils soient stackés dans ce cas-là. Ok.
Je vais faire une petite frappe aérienne par là. Voilà, merci bien. Là, je vais faire une frappe aérienne là-bas. Ok, vous avez trouvé un resto de burgers. Vous récupérez des fragments de cartes lorsque vous les détruisez. Récupérez-en suffisamment pour révéler un lieu de la mission finale, l'usine de burgers. Ok, les gemmes. Bah, écoutez, c'est parti, on va y aller. Hein. Je sais pas si je peux fouiller des voitures. Non, donc ça, faut que je le détruise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... tirer dessus, hein. Vous sentez pas obligé. Ah ouais, piller, ok. Non mais... tirez juste dessus, avancez pas, là, ils sont cons. Ah, ok. Ouais, hein. On va passer par ici. Ouais, on va faire le tour de la mare. Ah, c'est chaud les jeunes. Est-ce que vous pouvez vous déplacer par là? A priori, je suis en bordure de map. Ils se mettent hyper près, hein. Ok, je vais laisser sur place. N'avancez pas trop, restez à distance pour pouvoir tirer. Ah, merci bien. Est-ce que je peux passer par ici? Non, par contre, il y a du zombie qui sort de là, donc je vais éviter de rester trop collé. On va redescendre. Je vais mettre une petite frappe aérienne ici. Et mon pouvoir gelé, je peux l'utiliser qu'une fois a priori. Donc là, je peux peut-être fouiller les voitures. Voilà, merci bien. On va s'avancer par là. On va gagner de niveau. Bon, là, a priori, j'ai fait tout le tour. Allez, les jeunes, on s'en va. J'espère que j'ai rien zappé. Merci bien. Je sais pas si j'ai accompli toutes mes tasks, donc on va quand même vérifier. Non, restez en mouvement pendant 10 secondes. Ok. Faut que je reste en mouvement pendant 10 secondes. Allez, c'est parti. Ah, objectif. Il fait bientôt nuit, alors prenez garde aux zombies car ils deviennent plus puissants. Démarrez. Ok, mieux vaut ne pas s'attarder. Devriez retourner au bus. Au pas de course. Ok, c'est parti. Ok. Chaud, hein. Ah ouais, d'accord, attendez, je suis même pas chez moi. Oh non, le bus est tombé en panne. Enfin, il tombait en rade sur la route principale. On dirait que c'est la fin du didacticiel. Je pense pas qu'ils survivront jusqu'à l'aube. Heureusement, le bus ne tomberait pas en panne de cette façon dans une partie normale. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ça veut dire que là, en gros, je risque de canner. Je risque de canner, c'est ça les jeunes. Succès des recrues. Mais bon, on sait tous que dans un roguelite, mourir fait partie du jeu. Voyons si vous avez déverrouillé quelque chose. Ah, ça, j'en aurais tué pas mal à la fin. Continuez. Ok. Gain de niveau. Edge Taylor, machin, 2-1, machin. A toujours rêvé d'avoir une arme rare. N'a pas pu faire son boulot. Aurait dû partir en Alaska. Défaite, ouais. Bah, super, c'est génial.
Ok, bon bah écoutez, on va se lancer dans le vif du sujet maintenant. Ok, de nouveaux éléments de spécialisation déverrouillés. C'est quoi? Si tu peux aller faire tes courses, panier de courses maintenant. Je suis trop fort. Objet rare, monsieur. Non, objet de base. Et pas rare. C'est cool d'attacher un panier au drone. Il peut porter vos courses ou transporter plus de bombes. Et comme on n'a pas le temps de faire les courses, les frappes aériennes larguent une bombe supplémentaire aléatoirement dans la zone. Améliorer les frappes aériennes largue 3 bombes supplémentaires aléatoires dans la zone. Ok, d'accord, c'est cool. Ouais, non, en gros, ça suit le périmètre, mais ça les. Ça fait une AOE plus importante. Ah bah écoutez, c'est tout ce que j'ai débloqué. Donc bon, ben voilà, je sais pas si je peux cliquer dessus. Non, c'est tout, ça me donne juste cette info. Ok, donc nouvelle partie, défi quotidien et encyclopédie. Ah, donc là, c'est tout ce qu'on a débloqué, les petites armes. C'est cool, c'est que je vais pas commencer avec du bazooka. Là, c'est des. C'est des compétences actifs. Là, c'est pouvoirs spéciaux. Ah, ok, les zombies. Bon, bah, on en a pas. Ah, j'ai découvert des chiens zombies. J'avais même pas fait gaffe. Ok, bon, bah écoutez, nouvelle partie, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça va me relancer le tuto, j'espère pas. Défi quotidien, c'est quoi? Un nouveau défi par jour, le même pour tout le monde. Combien de points marquerez-vous? Vous n'avez qu'un seul essai. Bah écoutez, on se fera ça peut-être jeudi, tiens. En attendant, on va se faire une petite partie. Maintenant, commençons votre véritable partie. Vous devez sélectionner une zone de spécialisation. Chaque spécialisation déverrouille des fonctionnalités uniques et même certains bonus passifs. Ok, objet de départ. Les survivants infligent. Ouais, bah je préfère prendre 25% de dégâts. Être très très en colère, ça peut aider. Tous les dégâts des survivants sont doublés. Je sais pas, franchement, c'est un peu. C'est un peu kiff-kiff ou qui tout double quoi. Là, je fais plus de dégâts, mais là, les points sont doublés. Donc, en gros, si je fais 10, ben là, ça me rajoute, ouais, un petit pourcentage quoi. Mais là, ça me rajoute 2,5 quoi. Donc, ça ferait du 12,5. Mais là, c'est doublé. Donc, si je fais 10, je passe à 20. Je préfère prendre celui-là dans ce cas-là. Ouais, je préfère prendre celui-là. Pouvoir de départ, c'est quoi? C'est je prends les deux ou ça se passe comment là? On va voir les déverrouillages. Non? Sélectionner. Bah ouais, j'ai sélectionné. Mais je sais pas si c'est confirmé quoi. Ah, spécialisation en fouille. Bah écoutez, départ. Objet de départ et. Ah non, c'est objet de départ, pouvoir de départ. Et là, objet de départ, pouvoir de départ. Ok, d'accord. Ok. Ah oui, spécialisation. Soit je prends le combat, soit je prends la fouille. Ou soit je prends la spécialisation en recherche. D'accord, ok, d'accord. Donc j'espère que ça ne soignera pas les zombies. Soigne tous les survivants sur la carte. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ok. Améliorer augmente davantage la durée de la journée. Ah ok, d'accord, pas mal. Là, tous les jours, vous obtenez une petite chance de dupliquer vos armes la plus votre arme la plus rare, sauf les légendaires. Ok. La vitesse de déplacement de tous les survivants est augmentée. Ah, je vais peut-être prendre la commencer par celui-ci et après je prendrai peut-être la recherche plus tard, remporter une partie pour déverrouiller ceci. Je vais commencer avec le premier. Ok, donc là on est dans la base. J'ai mes petits pouvoirs qui sont positionnés. Changer, non, je veux pas changer pour le moment. Ah, ce qui est bien, c'est que l'autre m'avait filé de la ferraille, mais au final, je me retrouve tout nu quoi. Et je ne peux pas sortir du campement, je peux pas monter encore dans le bus. Donc, bah, début, hein, pas le choix. Donc, trouver une caisse à larguer, fouiller et piller. Bah, je vais peut-être prendre la caisse déjà pour commencer. Ok, voici nous voilà. On va peut-être passer par ici. Enfin, si j'en ai qui fait du dégât au corps à corps, j'ai pas fini. On va bien. On va essayer de passer. Ok,
Ok, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, si je reste dans la zone où j'envoie ma petite bombasse, on va se faire mal, quoi. C'est vrai que chacun est pillé quelque part. On va couvrir la petite dame pendant qu'elle fouille. Ok, succès déverrouillé, déverrouillé, bijoux techniques ou technologiques là. Ouais, c'est tendu les jeunes. Alors, on va essayer d'aller se promener par ici. Ah, c'est bien qu'ils soient tous stackés. Un pilote, si elle fait du dégât au cac, je préfère faire gaffe quoi. Non, je veux pas démarrer parce que j'ai pas tout fouillé. Faut que quelqu'un aille fouiller les gènes. Ah, la nuit elle est en train de tomber, vous êtes sérieux ou quoi? Non, j'ai absolument rien fait, vous déconnez, j'ai même pas trouvé ma quête de largage. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ah, je veux pas repartir comme ça. Ah, il y a un chien zombie. Attention. Attention, le chien zombie. Ah, ils sont beaucoup là. Ils sont beaucoup. Attention, les chiens zombies. On va repasser par ici. On va essayer de se profiler un petit chemin. Les jeunes, on attend des survivants. Ah, je suis cassos. Ok, bon, bah j'ai rien accompli du tout. Ce qui est chaud, je préfère partir avant qu'il meure. Par contre, ce qui est un peu chaud, c'est que j'ai rien trouvé. J'ai pas eu le temps de faire mes objectifs et j'aurais peut-être pu les soigner. Je l'ai pas fait. Et ouais, bah écoutez, ouais, voilà, c'est un peu tristou, mais bon. Et ça, je suis même pas sûr de l'avoir utilisé, quoi. Donc, bon, écoutez, c'est reparti. On va choisir une petite zone de danger. Par contre, les nuits, elles sont hyper courtes, quoi. On a aperçu un vieux bus par ici. J'ai commencé par l'hôpital. Ok, on va essayer de s'en sortir un peu mieux. On va les faire piller, déjà. Vas-y, avance par ici. Ah ouais, c'était en numéro 3, putain, j'ai pas vu mon clic là. On va aller fouiller ça. Ah bah, je vais faire 3, hein. Ah, ils sont plus gros. Ah, ils sont plus gros là, profitez-en là. Ah, monter comme ça là, pied. Pied. Ah, je vais faire une frappe aérienne ici. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire, on sait jamais. Là, ça doit être le bord de map. Je vais essayer de repasser ici. Je peux rentrer dans le champ. On va dégager la zone. Hein. Il y a pas mal de monde là. Ah, je vais me faire une frappe là. Piller, piller. Ah, je vais faire un petit soin après. Je sais pas si je peux le soigner quand il est dans le bâtiment. Ah, c'est chaud les jeunes. Il y a pas mal de monde là. Ah, merci bien, on va essayer de s'en sortir comme ça. Ah, deux. Ah putain, la nuit elle est déjà en train de tomber. Ah mais j'ai fait aucun objectif les jeunes là. Faut que les nuits elles soient plus longues là. C'est pas possible quoi, piller tous les hôpitaux. Ok, tu veux que je fasse comment? Alors, on va faire deux déjà. Je sais pas s'il y a d'autres hôpitaux par en bas là. Ouais, deux. Alors, on va par
passer par ici les jeunes. Je vais essayer de passer par là. Ah, gain de bonus, machin et tout. Ils sont beaucoup là. Bah, je vais essayer de remonter surtout. Vas-y, remonter, remonter. Putain, bon, ok. J'en ai un qui est mort. L'autre qui va pas tarder. Allez, allez, c'est bon, on est mort. Allez, c'est parfait. Défaite, continuez. Ah ouais, faut absolument pas traîner quoi, mais les objectifs, ils arrêtent pas de défiler, je les vois qu'après. Je vais relancer une petite partie, je vais rester là-dessus. Ah, ok, donc continuer. Enfin, début surtout. Pied. Danger de niveau 2 par contre là. J'y suis peut-être allé un peu fort dès le début. Ah ouais, il y a plein de rats là. Ah, c'est chaud les jeunes. Oh, pied. Ah, je vais la soigner la petite dame là, ou le monsieur. Ah non, c'est tendu, mais ouais, ouais, je comprends pourquoi c'était dur. Ah, c'est chaud les jeunes. C'était tendu. Ah, qu'est-ce que je dois faire? À piller toutes les maisons. Alors, on va faire ça comme ça. Ah, puis il faut que je les trouve, tes maisons là. Piller, piller. Allez, dépêchez-vous là. Il me reste 12 secondes, putain, mais c'est impossible. Je pense qu'au début, c'est normal qu'on puisse pas tout faire. Ah, je vais taper ça, là. Ok, là, faut que j'arrive à démarrer mon bus. On va se pousser. On a vu qu'on s'est frayé un petit chemin pour partir. C'est agressif. On va faire du soin. J'aurais eu un truc à piller en haut, mais c'est un peu compliqué là. Soit, évite de mourir. Ah bon, là il est mort. Bon, ils ont tous les deux morts. Ok. Très compliqué. Alors désolé si vous entendez marteler derrière. Bah écoutez, c'est mort. J'espère que cette petite présentation sur Deadly Day vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. On est encore mort comme une crêpe, c'est un peu tendu. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier Pixel Split, Assemble Entertainment et Whisper Game de m'avoir gentiment fourni une petite clé pour vous présenter ce petit jeu que j'ai d'ailleurs eu après dans un Humble Dumble Choice. Il y a peu de temps après ma demande, donc bah écoutez, je me retrouve avec une petite clé si je vous intéresse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de coop, mais en tout cas, peut-être que je vous ferai gagner ce jeu-là tantôt. Je ne sais point ce que je vais encore faire de ma clé en doublon. En tout cas, si cette petite vidéo vous aura fait plaisir, cette petite présentation vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures, que ce soit en let's play ou pour nos prochaines découvertes, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Et moi je vais me relancer une petite partie et on se retrouve jeudi pour se faire un défi quotidien. Excellent! Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros!
Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!